plein air de liberté. Vous vous souvenez de tout ça? C'est une description, c'est une peinture très 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 vraie de mes vendanges de jeunesse, ou d'enfance plutôt, ma jeunesse. Y compris les gailles? Ah, les gailles, c'est quelque chose, quand on l'a vécu, on ne peut plus l'oublier. Et c'est très bien peint, là, je trouve, par Ludovic Massier. Le gaille, c'était vraiment indissociable des vendanges. Le gaille, c'est une plaisanterie que l'on fait pendant les vendanges. On renverse la vendangeuse, c'est toujours la vendangeuse qui en est la victime, n'est-ce pas? Le jeune vendangeur renverse la vendangeuse et lui imprime ses dents de devant sur le front. Un peu comme le coq qui saute sur la poule. Et elle aime ça, la vendangeuse? Ah ben oui, oh, c'est une rigolade, c'est très innocent. Enfin, c'est là qu'il rencontre Nathalie. Alors avait commencé entre eux ce lent et long échange de serments qu'on nomme dans le pays un fastegg, c'est ça? Fastegg. Une idylle. Une idylle. Ce jeune de Paris qui était descendu à la Saline, le village natal de sa fiancée et de Tirite, à quatre pas de Clairac et du Verdet, au beau milieu de cette salanque grosse d'alluvions, battue de vents marins, suante de mou et cramoisie de soleillade que des siècles minutieux et féconds ont conquise sur la mer. Vous avez écrit bravo. Oui, c'est admirable comme description de la salanque. Et ce qui me plaît surtout à la fin, c'est cette phrase que des siècles minutieux ont conquis sur la mer. Ça vous paraît bien décrit, ça. Bien décrit, c'est tout à fait ça. Ces terres d'alluvions, je les vois, je les ai travaillées. Et puis ce soleil, cette... Soleillade. Cette soleillade, oui. Qu'est-ce qu'on appelle une soleillade? Une soleillade, ce sont des coups de soleil. Ah oui. Des coups de soleil durs. Comment il faut comprendre le vin pur, là, dans cette phrase? La gloire du vin pur passèrent devant ses yeux. Oui, mais je me suis posé cette question aussi, et je n'ai pas bien trouvé dans le livre. La gloire du vin pur, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Peut-être c'est l'homme. Qui est un homme pur, qui est un homme simple, brave, comme on dit chez nous. Vous savez, on dit que quelqu'un est brave. C'est peut-être... Le vin pur s'associe au héros du livre, d'après moi, à Jean-Tête Paris. Mmh. Le vin pur, parce que toujours le vin est pur pour nous. Mmh. Pourquoi là? Parce que c'est cet homme, c'est ce garçon-là, qui va aimer ses vignes. Je ne sais pas, peut-être à cause de ça. J'ai pensé à cause de ça. Alors avant la première vendange, vous n'avez rien souligné. Hein. Exactement. C'est pas... non, mais je l'ai lu, ça, disons, ça me touche moins. Ça, pour moi, c'est moins important. C'est très bien, dans un livre, il faut bien amener le sujet, parce que je pense que le sujet du livre, c'est la vie de ce garçon qui est descendu des hauts plateaux pour arriver à la plaine, s'installer comme vigneron, et on en arrive en 1907. Je pense que le sujet réel, c'est la vie de ce garçon. Oui. Alors, sa première partie de vie m'intéresse moins, parce que, bien sûr, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier. Alors, aussitôt que les vignes apparaissent, là... Voilà, alors là, je démarre. Le crayon parle. Jeanté est venu pour vendanger, et puis le propriétaire le trouve digne de faire autre chose, et lui dit, alors, là, ça te dirait d'être, comment on prononce ? Saumaté. Saumaté. Voilà. Ça s'écrit S-U-M-A-T-E-R, et ça se prononce Saumaté. Saumaté, c'est celui qui porte les... C'est le porteur, voilà. Alors le saumaté, si vous voulez, c'est... Enfin, à l'époque, il travaillait certainement à deux saumatés, hein, toujours, puisqu'il on mettait le raisin cueilli directement en comporte. Hein, les grandes comportes en bois, qui une fois pleines faisaient jusqu'à 100-105 kilos. Et pour les amener jusqu'au bord de la vigne, donc jusqu'à la charrette, il y avait deux grands... Tirite, Jeanté fait son apprentissage de propriétaire vigneron. Le Verdet, que lui a légué la tante Irma, est un vignoble malade. Il y a eu le phylloxéra, mais il y a toujours le blackrot, le mildiou, l'oïdium qui corrode ou anémie la feuille. Enfin, après quelques années de travail acharné,
Le Verdet va mieux, va bien même. Depuis 3 ans, les ceps qui mouraient n'avaient pas été remplacés, mais la proportion était assez faible. La taille n'avait pas non plus été des plus rationnelles. On avait visiblement tendu non à compromettre la santé du cep, mais à lui faire produire son maximum. On ne harasse pas plus impunément une vigne qu'un cheval. Mais on peut y porter remède. Un cep, ça se pense, ça se dorlote comme un malade. Marcerou s'était montré pratique, il s'était montré prudent aussi, car, au dire de Tirite, l'assassinat d'un vignoble eût fait autant de scandale que le crime le plus crapuleux. Je crois que oui. Maintenant.